Maman, dans la brochure, ils disent qu'il faut mettre d'abord le masque à oxygène sur le nez de son enfant. Comme je suis ton enfant, tu mettras le masque sur moi, non? Oui. Je suis sûre que je suis adoptée. Tiens, regarde-moi, ils ont inventé une lampe qui fait rajeunir. Ça stimule la production de collagène, apparemment. N'importe quoi. T'as raison, ça se trouve, ça marche. Il y a mon oncle. Chiche. Alors, je voudrais vous montrer un système de freinage polonais. Dernière génération, le sable, voilà. Ma tante. Bonjour. Il a perdu sa bouteille sur moi. Je comprends vraiment pas pourquoi on utilise l'expression « sous comme un polonais ». Je comprends pas. La mafia. Nous nous rendons à présent dans un carrefour polonais. C'est un petit peu la même chose qu'en France, sauf qu'il y a légèrement plus de choix au niveau de la vodka. Tout ceci est un mur de vodka. Ce qui est bien, c'est que lorsque vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez acheter vos chaussures chez Deschmann. Les chaussons les plus moches du monde, avec du poil qui sort du nez, s'il vous plaît. On est en train d'acheter des cornichons polonais. Je dors avec ma maman. Le doublage est plutôt réussi. Oui. Cette chose là, ça s'appelle une rourka, une gaufrette remplie de crème chantilly, et c'est vraiment très très bon. Mmh. On s'amuse comme des petits filles. Voilà où m'emmène ma petite nièce de 8 ans. Nous allons peut-être mourir. Oh putain! Oui, parce que je suis en roller aussi. C'est vraiment très joli. Ça va mon chou, je te manque pas trop? Non. Le portrait de famille 2.0. Ça va Marc? Salut, ça va? Ma mère s'amuse comme une petite folle. Nous allons en week-end à Cracovie. Ça c'est trop bon. Ça peut servir éventuellement de collier. À la truffe. T'as un nez en forme de pénis. Va-t'en. Beaucoup de gens pensent que c'est la préhistoire en Pologne, alors que pas du tout. Je vous présente Basile, le chat au poil de mouton. Donc là, on est à Cracovie, chez une copine de ma mère qui nous héberge et qui adore les chats. Donc je vais vous montrer un petit peu sa décoration. Un chat, des chats. Chat, 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 mini chat empaillé. Je vais vous montrer ce que je préfère par-dessus tout en Pologne, ce sont les raviolis polonais. La luisance du gras. Yes, Alors en Pologne, on peut acheter son ticket dans le bus grâce à cette machine ou en passant le code dans une application sur votre téléphone. Mais qu'est-ce que vous faites la RATP? Vous êtes trop en retard mon gars. Aujourd'hui je teste une nouvelle activité, avoir un enfant. En tout cas c'est une chouette activité, on peut louer un enfant polonais, 2 euros de l'heure. Aujourd'hui on va visiter les mines de sel de Wieliczka. Bon, explique. Non, je vais pas appeler. C'est combien de mètres sous terre? Bah tu vas écouter le monsieur, il va tout expliquer. On vient de descendre 53 étages et ma mère fait un peu la gueule. Toutes les sculptures sont en sel. Même le lustre est en sel. C'est assez foufou. Hashtag lol. Oh, regardez comme c'est romantique. Toi, avec un petit cœur. Eh bien, ce sont des toilettes publiques. Alors, on est dans un magasin de jouets, mais j'arrive pas à trouver ma mère. Ça commence un peu à m'inquiéter. Je sais pas où elle est. Maman? Qu'est-ce que tu fais, maman? Elle est très gentille, la dame. Tu fais des dessins? Oh, c'est joli. Oui, c'est joli, maman, c'est bien.